Hello les Tadouniens, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de faire une page 30-30. Voilà. Parce que j'ai tiré une photo de mes deux petits-neveux. Enfin, de mes deux neveux, les deux petits derniers, surtout ça. Voilà. Parce que je trouve cette photo très drôle. Et puis bon, c'est. Voilà. Ils ont grandi un petit peu depuis, puisque la photo, elle date un petit peu là, du début d'année, je crois. Maintenant, Elio va avoir 3 ans en novembre et Milo aura 1 an en octobre. Donc, vous voyez, la photo, elle est un petit peu datée. Mais bon, on verra bien ce que ça donnera. J'avais envie de faire ces deux petits poussins parce que je la trouve rigolote, cette photo. Je vais vous mettre sur mes mains et je vais vous montrer parce que j'ai tout préparé. Enfin, tout préparé. Préparer ce que je voulais mettre et ensuite ben, on va faire en sorte que tout se passe bien. Alors je vous mets sur mes mains. Alors voilà la photo des deux fripons. Elio Milo. Voilà. Donc je la trouvais assez rigolote. Donc, alors j'ai pris une feuille en 30-30. Alors j'ai coupé en 30-30 parce que c'était 30,5. 30,5, mais moi dans mon album je mets que du 30-30. J'ai un album avec des pages plastiques. Voilà. Alors, attendez, j'espère que je vais pouvoir avoir toute la. Non, je vais pas avoir. Je vais vous remonter un petit peu pour avoir un petit peu de hauteur. Voilà. Voilà, donc on va faire ça comme ça. Dans ce sens-là, j'aime bien les lattes. Ouais, je sais pas. J'ai sorti des petits rubans. Je me suis amusée à découper des petites formes hier dans des trucs que j'avais imprimés. Petite étiquette avec leur nom. Une découpe, un moment de joie que l'on m'a envoyé. Et j'ai sorti du papier. Voilà, donc c'est ce qui correspond aux couleurs des rubans. Donc ça, c'était dans les blocs Action, hein, dans le dernier que j'ai acheté. Voilà, je pense qu'il est bientôt fini ce bloc, mais bon. Je n'achète pas souvent, mais celui-là, franchement, il a fait bon usage. Alors, on y va. Je vais déjà commencer par découper la photo, parce que là, elle ne me plaît pas trop, comme ça. Voilà, je n'ai pas envie du bord blanc. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait avec le bord blanc. Et puis, je trouve que, oh, y a trop de hauteur. Voilà. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. On va enlever le bord blanc sur toute la photo. On peut le faire à la guillotine. Je ne sais pas pourquoi j'ai sorti celui-là. Un peu de travers, on va le remettre 3. Bon, ça ira. Parce qu'après, sinon, Elio va être un petit peu coupé. Donc, je vais couper un petit peu par là. Que non, comme ça on voit bien la main. Ok, donc du coup il me reste 11,5 sur 9, donc c'est parfait. Donc je vais prendre je vais prendre avec des petits pois, je vais faire un tout petit ouais, je vais en prendre un morceau comme ça et un morceau comme ça. Donc j'ai dit 11,5, 9. De toute façon, la taille on s'en fout. On va faire 10,5. Voilà. Et puis là, mais ça fait là. Voilà. Hop là. Voilà, parfait. Et on va faire un tout petit peu plus grand en fait. Voilà. Bon, je vous donne pas les tailles parce que finalement on fait juste voilà, je fais comme un peu comme bon me semble. Alors je sais pas trop où je vais mettre cette photo. De toute façon, je vais la mettre comme ça. Est-ce que je la mets en bas, ici, ici? J'ai dit que je voulais les lattes dans ce sens-là. Mais est-ce que c'est pas plus mal comme ça?
Oui, donc je vais prendre. Voilà, on va changer d'avis. Et je vais coller ma photo, voilà, comme ça. Que la photo, elle soit. Voilà, la photo, elle va être droite. Le cadre, pas du tout. Donc ça sera pour ma photo. Je vais m'amuser avec les rubans, comme c'est les mêmes couleurs. J'ai pas retrouvé de violet, mais bon, c'est pas bien grave. Je vais faire des petites bandes qui vont courir en dessous. Ouais, je vais faire ça. Ah, t'as pas préparé tes ciseaux. Voilà. Alors, on va prendre une bande de chaque couleur, je pense. Une jaune, une orange, une bleue et une verte, ça suffira. Voilà. J'aime bien préparer avant les éléments, quitte à ne pas tous les mettre. Hein. Bon, là, je vais. Voilà, j'avais sorti 5 couleurs de ruban, mais je pense que je vais mettre que ces 4-là. Et le vert, voilà. Que ça change un petit peu, mettre un petit peu de d'autres textures que du papier. Alors on a ça et on a nos petits éléments. Alors après on va voir comment on fait ça. Donc je vais d'abord coller tous mes rubans. Hein. Dans quel ordre, je ne sais pas. Alors peut-être si je fais ça. Non, je vais juste les mettre. Alors, attends, hop, on va faire un essai avant de coller sa photo. Hop. Est-ce que je laisse comme ça? Ouais, ça me semble assez sympa. Oui, allez, on y va. On va coller ça. Alors, je vais prendre le tapis et ça. C'est bien aussi les souris-colles pour les rubans, c'est pas mal. Hop là, donc on va mettre ça sur celle sur le haut. On va essayer d'être droit. Hop là. Ah. Oui, je sais, vous allez me dire, on s'en fout un peu si c'est droit ou pas. Eh ben non, on s'en fout pas en fait. Enfin, moi je m'en fous pas, j'aime bien quand c'est. Parce que ça sera jamais parfait, donc autant essayer de faire un truc un petit peu droit. Voilà. Hop. La bleue. Le ruban bleu cette fois. Voilà. Alors les souris-colles, c'est vrai qu'à chaque fois que je vais chez Action, on en prend. Et c'est vrai que maintenant, avec leur petit emballage en carton, c'est vrai qu'à stocker dans l'atelier, enfin dans la réserve. Oui, j'ai une réserve de colle. D'ailleurs, je vais vous parler de la colle. C'est hyper pratique. Voilà, c'est plus facile à ranger en fait. Parce que. Avant c'était bien aussi, hein, mais. Moi je sais que je les enlevais tout le temps des emballages parce que. Bah, prenaient trop de place, quoi. Et puis bon, c'est pas très stable, hein, après dans. Donc j'avais un tiroir où je les calais, mais. Et hop, l'orange. J'ai cette musique dans la tête, je vous dis pas. C'est, je pense, les étoiles sur ces rubans, ça me fait penser à du cirque. Oui, ça fait penser à du cirque. Voilà. Et le vert. Hop.
Voilà, comme ça je vais essayer d'être au mieux. Je me suis racheté des éponges pour faire une nouvelle éponge à colle. Parce que l'autre datait de, de quelques années. Franchement, à force de la réactiver, là, elle n'en pouvait plus. Elle se partait en lambeaux un peu. Mais bon, c'est normal, je l'ai trop sollicité. Voilà, donc ça, c'est ça pour ça. Je voulais mettre celui-là ici. Comme ça. Et lui et eux, tout droit. Moi, je trouve ça pas mal. Alors, voilà, c'est ça que je vous disais. Moi, j'ai... Alors, je sais pas, c'est une idée, hein, je vais vous soumettre. J'ai profité à... quand je suis allée faire les courses, donc à Cora, des lots rentrée des classes. J'ai eu 15 sticks UU pour moins de 10 euros. Bon, je trouve que moi, je m'en sers énormément parce qu'avec l'art collage, c'est vraiment un truc dont on sert beaucoup. Donc, ouais, franchement, alors il y a des lots plus petits, hein. Il y a des lots de 5, il y a des lots... Je me suis dit, bon, moins de 9 euros, les 10, pourquoi pas. Et j'ai pris de la colle liquide aussi. Enfin, c'est vrai qu'en général, je fais pas mal mes courses à ce moment-là. Parce que ça, bah, ça vaut le coup en fait. Hein. Franchement, les prix, quand on s'en sert beaucoup. Alors je sais, il y a celle-ci hein, chez Action qui n'est pas très chère. Mais franchement, l'un dans l'autre, je trouve que là, c'était bien. C'était super bien. Voilà. Donc c'est une petite idée. Hein, si, sans vous allez voir, hein, si vous faites la rentrée des classes de vos enfants, souvent on prend pas mal. Enfin, moi, je sais pas, j'ai pas d'enfant, hein, mais j'ai pas été confrontée à la rentrée des classes uniquement au boulot, et j'avoue que c'était pas la meilleure période pour moi, franchement. Vu que j'ai, enfin, je vais pas le redire, mais bon, j'avais une phobie scolaire, donc du coup, la rentrée des classes, franchement, préparer les listes en papeterie, c'était pour moi très très difficile. Mais bon, je le faisais, hein, mais c'est vrai que préparer les listes scolaires, c'était quand même assez perturbant, on va dire. Voilà. Voilà, donc les petits poussins, ils sont en place. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, j'ai découpé plein de petits trucs. Et alors, mon idée, c'était... On va pas le voir, moment de joie. Si, moment de joie, on va le mettre en haut, moment de joie, voilà. Et je pensais mettre des petits éléments voilà, entre les lignes, pourquoi pas. Helio Milo ici. Oh, tiens, je vais peut-être mettre ça là. Boys. Hello, boy. J'ai sorti plein de petits jouets, en fait. Et donc, je me suis dit, on va les mettre... Enfin, je pensais pas faire des lignes vraiment comme ça, donc... Mettre plein de petits jouets un peu partout. Hein. Enfin, plein, j'en ai pas tant que ça, en fait. Là, j'ai les deux petits bonhommes. Et si on les mettait... voilà. Ici. Et ici. Voilà. Là, c'est pas mal. Peut-être plutôt le mettre ici, même. Voilà, Helio Milo, ici. Hop. Et on va mettre des jouets un peu partout sur notre page... Mettre les dinosaures là. Voilà. Un dinosaure bleu. Un dinosaure orange. Et ce sera tout. J'ai pas plus de dinosaures. Ah si, voilà. Oui. J'avais qu'on avait un autre. Voilà, on va faire une page avec des petits dinosaures. Et puis tout ce qui est. Voilà, parce que les garçons, ça a beaucoup de jouets, non? Je sais pas. Bon, je suppose. Petit robot. Mettre des jouets. On laisser ça vide. On va cascaler tous les jouets. Hop. Ouais, je pense que je vais les faire comme ça. Je vais coller mes petits éléments. Voilà.
Donc j'avais préparé ça hier, hein, j'ai découpé tout ce qu'il fallait. Hop. Voilà, les boys. Les boys, les boys, boys. Voilà. Ici, mettre un autre petit poisson là. Bon, parce que comme ils habitent presque au bord de. Enfin, ils habitent au bord de la mer, hein, franchement. Là où ils sont, il y a la mer pas loin quand même. Voilà, hop là. Et puis, on va coller. Alors, je vais pas coller avec ça parce que. Ils vont mettre plein les doigts. Les petites choses, je vais plutôt les coller. Ouais, allez, avec ça, on va déjà mettre l'étiquette. Hop. J'ai deux petits bonhommes. Celui-là qui regarde par là. Hop. Et l'autre dans l'autre sens. Hop là. Mais alors, j'ai pas découpé avec vous, hein, parce que sinon j'aurais dû faire des coupures, patati patata. Donc j'avais tout préparé hier. Me suis amusé hier après-midi à découper tout ça pour pouvoir faire ma vidéo ce matin. Hop là. Je vais mettre plutôt celui-là là. Voilà. Ça fait un petit peu course de dinosaures. Lequel arrivera en premier? Bon, ben, ça sera sûrement le triceratops. Non, le triceratops, on va le mettre. Voilà. Il traîne, il traîne. Voilà, donc ça c'est pas mal. Une autre petite étoile, je croyais que j'avais une autre étoile. Voilà. Ah, il y en a une, voilà. Une petite étoile à côté, voilà. Ensuite, par contre, ces jouets-là, je sais pas si je fais un petit tas de jouets là, comme ça. Voilà. Oh, j'ai bien envie. Allez, faire un petit tas. Hop là. Un petit camion. Pas évident parce que moi j'ai pas trop de trucs j'avais pas trop de trucs garçons en fait, donc j'ai cherché et j'ai trouvé tout ça. Ouais, moi je la trouve sympa comme ça avec ce petit tas de jouets de garçons. Et donc on va coller notre moment de joie là. Voilà, c'est pour ça que je vous dis il faut que je refasse une éponge à colle, parce que là, ça aurait été quand même beaucoup plus facile pour ça. Ouais. Enfin bon, je vais la faire à la suite de cette vidéo. Franchement, c'est quand même très pratique. Hop. Et on va la mettre là. Et voilà, bon, bah, je vais couper ce qui déborde. Hop là. J'ai pas pris les bons ciseaux pour découper ça. Du coup, je suis bien embêtée. Bon.
Hop là, avec ciseaux. Et voilà. Hop, ça sera beaucoup mieux. Voilà. Ben écoutez, je ne sais pas si cette conception de page vous aura plu. Je ne sais pas ce que je pourrais rajouter. Franchement, moi je l'aime beaucoup comme ça. J'aime pas quand c'est trop chargé. Je trouve qu'elle est assez marrante. Voilà. Elle fait très. Voilà. C'est vraiment pour deux petits garçons. Donc c'est pas mal. Voilà. Alors, je sais pas si vous allez bien la voir. Peut-être vous monter un petit peu. Hop là, voilà. Vous la voyez en entier. Dans son entièreté. Et voilà. Ben, écoutez les Tadouniens. Voilà, il y avait longtemps que j'avais pas fait de page pour 30. C'était l'occasion. Et ben, je suis assez satisfaite en fait. Voilà. Je vous la remonte. Je sais pas si vous allez bien la voir. Voilà. Franchement, c'était vraiment assez rapide parce que j'avais déjà préparé les éléments. Mais même la conception en elle-même, voilà. Et ben sur ce, ben, prenez soin de vous. Prenez soin des. Je referme ma colle. C'est pas parce que j'en ai 15 tubes qu'il faut la gâcher quand même, hein. Donc prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et puis ben, comme les enfants, hein, prenez la vie comme un jeu. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas les pouces en bas, les pouces en l'air. Enfin, c'est le contraire, les pouces en l'air, les pouces en bas, ce que vous voulez. Les commentaires, ça fait toujours plaisir. Et puis sur ce, bah, à bientôt. C'était Tadoun. Bisous, bisous.